L'Autriche vous présente un exposé sur la répartition des débouchés dans les régions habitées. Un débouché. Un débouché. Un débouché. Un débouché. Un débouché. L'inégalité est-elle inéluctable? Un débouché. 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 Les débouchés. Les débouchés, éléments des régions habitées et base pour des activités sociales. Un débouché. 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 Un débouché.
Énergie, communication, circulation, vie quotidienne, éducation, travail. Tout établissement humain offre une multitude de débouchés. La région habitée, des multitudes restreintes ou énormes de débouchés. C'est le nombre des débouchés qui détermine l'importance, l'attrait et la croissance de l'établissement humain. Les débouchés sont inégalement répartis. Variété ici, là, monotonie. Variété ici, monotonie là. Le contraste entre la ville et la campagne, la grande ville et la banlieue. Peu de débouchés, des activités uniformes.
Pas de débouché, pas d'initiative. Sans initiative, pas de développement. Ce sont les débouchés qui conditionnent le développement de l'individu. On ne trouve la variété des débouchés que dans les régions de forte densité. Grâce à cette densité surgissent des possibilités nouvelles. Ce n'est que là où il y en a déjà que beaucoup d'autres pourront s'ajouter. L'inégalité est-elle inéluctable? La répartition des débouchés est le résultat de décisions politiques.
la propriété détermine le comportement social et les structures du développement. C'est à la propriété que revient le privilège de répartir les débouchés. C'est la propriété qui perpétue la répartition existante des débouchés. La propriété ouvre la voie à de nouveaux débouchés. La propriété domine et rend aveugle aux besoins et aux intérêts politiques. Quelle philosophie détermine le choix des centres de développement et la répartition des débouchés? La concentration régionale des ressources disponibles est-elle la seule stratégie? La répartition égale des débouchés est-elle la seule alternative ?
Si le profit est la seule référence des décisions politiques, il n'est plus possible de vivre ensemble. Les décisions politiques qui ne tiennent absolument pas compte du profit rendent le développement social impossible. Les établissements humains sont le résultat de compromis politiques. Le maximum de profit et la meilleure répartition des débouchés sont des buts qui s'excluent l'un l'autre. Les petites concessions apaisent les petits gens et renforcent la puissance des gens en place. Ce que vous n'exigez pas, vous ne l'obtiendrez jamais. Seuls des intérêts bien marqués et une participation politique active assurent la répartition équitable des débouchés. La répartition des débouchés dans une région habitée est un problème politique. L'Autriche vous a présenté sa contribution à l'exposition de la Conférence des Nations Unies Habitat 1976. L'inégalité est-elle inéluctable ?